Bonjour tout le monde, c'est Soulaf avec vous. On va réaliser aujourd'hui une recette d'un délicieux pain de la cuisine italienne, la focaccia. C'est vraiment très bon et cette recette, je l'ai adoptée depuis maintenant des années. C'est une recette très simple et facile. Comme vous voyez devant vous, je vais réaliser la recette dans le bol du robot. Donc c'est très très facile, c'est très très simple et le résultat est impeccable. Tout d'abord, on va commencer par préparer un petit levain. Donc, dans le bol de mon blender, je vais placer 200 ml d'eau tiède. Alors, pour le moment, je vais enlever le couteau jusqu'à tout à l'heure. 200 ml d'eau tiède à laquelle je vais ajouter une cuillère à soupe de levure boulangère instantanée et une cuillère à café de sucre. Donc, je vais laisser le levain jusqu'à ce que la levure s'active. On vient réaliser la suite de la focaccia. Comme vous voyez, la levure est bien activée maintenant. On va commencer à préparer notre focaccia. Pour cela, donc, à ce mélange, je vais ajouter 30 ml d'huile. Donc moi ici, je vais utiliser l'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive extra vierge. Je vais ajouter une cuillère à café et demi de sel. Donc avant de commencer, je vais remettre le couteau. Voilà. J'ai pesé 350 g de farine. Je vais ajouter les 3/4 de cette quantité. Et après, quand j'obtiens la pâte, si elle est trop collante, j'ajoute le restant de la farine. Comme vous voyez, j'ai pas tout ajouté. Et on va actionner notre blender. Comme vous voyez, la pâte, elle est collante. Je vais encore ajouter un petit peu. Et je mets le blender en marche. Je revends encore une fois ma pâte. Elle est toujours collante, comme vous voyez, très collante. J'ajoute encore une fois la farine. Pas toute la quantité, on y va tout doucement. Je remets encore en marche. Encore une fois, regardez, la pâte maintenant est magnifique.
Donc j'ai pas besoin d'ajouter le restant de la farine. Donc maintenant que la pâte est prête, donc je vais fariner mon petit espace de travail. Je reprends la pâte. Donc comme ça, on n'a pas besoin de trop pétrir. Comme ça, une jolie pâte. Voilà. J'ai préchauffé mon four et je l'ai éteint pour qu'il soit à température ambiante. Il fait très très froid aujourd'hui chez nous. Donc je vais étaler ma focaccia dans un moule allant au four. Et je vais la placer dans le four pour qu'elle double de volume avant de passer à la cuisson. Donc là, comme vous voyez, j'ai huilé mon moule. J'ai une petite focaccia, donc je ne vais pas trop l'étaler. Comme ça. J'ai étalé ma focaccia à une hauteur de presque 1 cm. Je vais la couvrir d'un torchon bien propre et la placer dans le four éteint et tiède pour qu'elle double de volume. Ceci va prendre entre 30 minutes et 1 heure. Maintenant, on va passer à la préparation de la décoration de notre focaccia. Comme je vous ai dit, notre focaccia aujourd'hui est aux oignons et au romarin. Franchement, ça sent trop bon. Donc, je vais prendre un peu d'huile d'olive. J'ajoute par-dessus l'équivalent d'un quart d'oignon rouge finement coupé en lamelles, comme vous voyez. J'ajoute aussi le romarin coupé en petits morceaux. On va bien mélanger le tout. Et on va laisser l'huile s'imprégner de ses jolies saveurs pour passer tout à l'heure à la décoration de notre focaccia. Déjà, ça sent magnifiquement bon. Alors voilà, ma focaccia, elle a bien doublé de volume. Donc là, je vais faire des petits trous dans la pâte. Vous pouvez faire avec vos mains comme ça, comme vous voulez. Ou vous pouvez faire ça uniformément. Comme ça. Très très jolie pâte. Moi, c'est un de mes pains favoris. Je prends le mélange oignon, romarin et huile d'olive et je vais imprégner la surface avec l'huile d'olive. Donc, je dois imprégner toute la surface de ma focaccia. Ça sent trop bon, je ne vous raconte pas. Donc, il faut vraiment tout badigeonner avec l'huile. Toute la surface. Mon four, je l'ai mis à préchauffer à 180 degrés. Maintenant, il est bien chaud pour que dès que je termine la décoration de ma focaccia, je la mets à l'intérieur. Bien sûr, la focaccia peut se manger toute seule avec un peu d'huile d'olive ou accompagne à merveille des salades, des soupes. C'est un très très bon pain. Je vais prendre maintenant le mélange oignon et romarin et je vais l'éparpiller sur toute la surface de la focaccia. Ajoutez par-dessus un peu de gros sel. Ici, j'utilise le sel du moulin. C'est très important. Et on va cuire dans un four préchauffé jusqu'à ce que la focaccia prenne une jolie couleur bien dorée. Voilà ma focaccia à la sortie du four. Vous voyez, ça a pris une jolie couleur. Je vais laisser refroidir un petit peu avant de couper un morceau et de vous montrer l'intérieur de mon pain. Donc, le voilà, mes amis, arrivé à la présentation de notre focaccia. Donc, on va couper pour voir l'intérieur. Franchement, la focaccia ou la focaccia est l'un des meilleurs pains italiens. On aime beaucoup à la maison. C'est trop bon. Là, je m'assure que c'est bien coupé.
comme ça. Et vous pouvez voir la texture. C'est un pain très moelleux. On le voyait très aéré et très très parfumé. J'espère mes amis que vous avez aimé cette réalisation, que vous allez la réaliser et l'apprécier. N'oubliez pas, si vous aimez ce qu'on partage avec vous, de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer j'aime et de laisser vos commentaires. N'oubliez pas, en vous abonnant à la chaîne, d'activer la cloche, c'est un point très important pour être notifié de toutes nouvelles publications. Merci et à la prochaine !